J'espère que vous allez bien. Nous voilà repartis pour un épisode de C-Block Factorio Space Exploration Castorio 2. Qu'est-ce qu'on a fait entre les épisodes? Bon, pas grand-chose, grand-chose. Vraiment, honnêtement, on a vérifié plein de trucs. On a remis ici dans le bon sens, histoire que ça nous en renvoie parce qu'on en avait plus. Bon, alors, ça les envoie 40, non, même pas assez, 10 par 10. Donc, ça va arriver avant d'être à 100, un surplus et d'un coffre. Voilà, on avait oublié ça. On avait un petit pépin sur le fer qu'on a arrangé. J'ai décidé de supprimer ici tous les inserteurs. Je veux que ces fusées en fait se désactivent et pour qu'on puisse ranger la base. Puis avoir une arrivée multiple de plein de trucs. Voilà. Donc, c'est pour ça, là, ça c'est désactivé. Quoi d'autre? Donc on a mis les plaques d'immersion. Donc on est parti avec une première fusée. Donc c'est pour ça que là c'est vide. Et c'est tout ce qu'on a fait. Honnêtement, voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Et là je reviens et je check un peu tout mon bidule. Et aux surprises, qu'est-ce que j'aperçois? J'aperçois que je ne produis plus de gel chimique. En fait, la recette a dû changer à la mise à jour. Et du coup maintenant, elle n'a pas été remise, donc il faut qu'on remette ça en place. Alors le gel chimique, mais pourquoi en fait? Peut-être parce que ça ne se fabrique plus là-dedans? Ça se fabrique où le gel chimique? Gel cosmique, excusez-moi. Non, c'est gel chimique. Ouais, ça se craft. C'est ça. Alors la recette est la même, mais l'objet n'est plus le même. Maintenant, c'est dans les laboratoires de biochimie. Je vais pas pouvoir les crafter, à mon avis. Laboratoire d'électro, de laser, de biochimie. Eh bien sûr que non. Allez, on va aller en crafter. La sauvegarde. Ah oui, autre chose. J'ai augmenté un petit peu ma production, ma recherche, et j'ai désactivé ici. Vous voyez, j'ai mis un coffre en acier classique. Comme je vous ai dit, je veux d'abord vider ces deux-là. 102K et 102K, voilà, je veux d'abord les vider. Sachant qu'il en reste en plus sur Novice. Donc ça, je veux les expulser, je veux plus qu'il y en ait avant d'utiliser ceux que je produis. Mais je voulais être sûr de produire en fait avant de les mettre. Donc voilà. Et du coup, pour les consommer, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, parce que j'avais rien à lancer, bah, tout ce qui est Swarm Safety, donc c'est-à-dire de la sécurité pour nos bots pour qu'ils évitent de se cracher la gueule. 500 à chaque fois qu'on en rajoute, on en est à la 19. Voilà, et c'est des recherches qui demandent 62 000, hein. Alors que du bleu, pas du que du bleu clair, pas du rouge. Hop, je suis là, c'est tab qu'il faut que je fasse. Ok, allez, hop, on va te mettre ici avec un bleu, un rouge. Ici, je veux les. Déjà, hop, avant que j'oublie, je me connais. Donc, on a dit un laboratoire de biochimie. Voilà. Alors, est-ce que c'est craftable? Ou est-ce qu'il va nous manquer quelque chose? Ah bah tiens, toi tu craftes rien. Ciao. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ah bah on a tout. Bon bah alors là, nickel. Du coup, toi, paf, pif, paf, pouf. Voilà. Allez. Là, attendez, j'aimerais qu'il en crafte un. Ah oui, 100 de verre par machine. Eh ben bah, punaise. Un mec, il se fait plaisir. Hein. Hop. Il est où le labo? Le labo est demandé. Vu. Oh, cool. Mon inquiétude, c'était, et si ça fait pas la même taille? On peut tout crafter dedans avec une vitesse de 4. Oh, c'est magnifique. Ah ouais. Oula, mais il faut que j'aille voir pour, du coup, pour le fluide réfrigérant, si on peut, si c'est toujours fait. Est-ce que je suis gogol ou est-ce que je le fais exprès? Ben voilà. Paf! Ouais, c'est bon. Nickel. Bon, alors, ils vont me les mettre au fur et à mesure qu'ils me les produisent, hein. Voilà. Parfait. Donc, du coup, ici, ça va remonter. Ah bah, allez. Eh, les gars.
Du coup, je voulais voir. Attendez, au niveau des réfrigérants, ici. Eh oui, ah merde. Oh. Mais là, du coup, c'est juste le réfrigérant primaire. Oui, mais il va falloir que je m'en occupe quand même parce que. Ok, c'est bon. Pourquoi tu me craftes plus, toi? Mets-moi les 4. T'es stocké. Oui. Mais ça va, comment dire, ça va monter, ça va se stocker. Et si ici j'ai pas de truc. Et non, alors du coup, par contre, ça c'est une bêtise que j'ai faite. Il me faut un réservoir en fait. Comme ça, ce sera fait. Non, on va faire un gros réservoir. Au cas où un jour j'ai une grosse demande. Allez! On va se mettre là, une pompe là, une pompe ici, un truc, oh là, voilà. Alors ici, un petit 3, vous le sentez vous le 3? Alors ça c'est là, et ça on va mettre ça là, un petit 3, raté mais bon, on va faire avec. Hein. Oh là, voilà ça, là par contre, ça c'est sûr, c'est mort. Du coup toi, attendez, on va faire autre chose, toi tu viens là. C'est toi que je veux plus en fait. Voilà. On verra. Ah bah du coup. Voilà. Ouais, ça va consommer jusqu'à arriver ici à ce que ça se restack. 195 000. Voilà. Ok, c'est bon. Ici, du coup, c'est du réfrigérant qu'il nous faut. Putain, on a bien fait de on a bien fait de regarder un peu. Non. Ah, attendez. C'est plus la même chose. C'est du pétrole lourd, mais directement du gel cosmique, dis donc. Ah. On va le laisser lui. Paix à ton âme. Vas-y, m'emmerde pas. Alors, pourquoi j'ai du pétrole ici? Un petit 3? Ah non, un 5, pile poil. Parfait. Je comprends pas d'où ils viennent là, les. Puis ça monte en plus! Non, on se fait 100, 200, 300. Très très bizarre, ma foi. Ici j'ai quoi? J'en ai ou pas? Ouais. Bah dégage. D'où il vient? Tu me pompes là. C'est magique, hein. Le mec il connecte à rien du tout. Et là il me dit là. Oh puis en plus. J'ai du carbu partout. C'est terrible. Attendez, mais là, t'es en train de me dire que ça sert à rien. Ah oui, je me rappelle, j'ai fait l'arrivée directement au-dessus. Voilà.
Ah! Attendez, on est d'accord que ici, ça devait pas être ça. Ici, on est d'accord, c'était du gel cosmique à la base. Eh oui! Aïe. Alors, où est-ce que j'ai foiré? Où est-ce qu'il y a deux tuyaux qui se touchent? Parce que c'est ça, hein, c'est deux tuyaux qui se touchent. Parce que je suis en plein milieu du 5. Regardez, putain, j'ai pas fait gaffe. Le 5, en plein milieu, il y a quand même une croix. Et du coup, cette croix tombe pile poil au milieu. Punaise. Comment on va faire? On va faire un 3. Puis là, ça et ça. Et là, ça. Ah là là, si. Voilà. Et là, par contre, c'est bon, il n'y a plus de connexion. Bah, par contre, ici, là, va falloir tout purger. Hein. Comment on va faire pour tout purger? Alors, je vais faire ça. C'est une pompe en... Ah oui, non, c'est pas les bonnes pompes, ça. Ah, les liquides, je vous jure. Hop. Parce que là, on est connecté à rien, on est d'accord. Ouais, non. Il n'y a qu'une seule production, elle est là. Donc, tout le reste, on va la pomper. J'ai pas lancé un... Ça? Bon, bah j'ai fumé. Tu sais pas ce que je viens de produire. Hop, pardonnez-moi juste le x4 histoire d'aller un petit peu plus vite. Je vais pas partir en x8 parce que... Ah si, on le tient. Ah oui, parce que... Ah putain, du coup j'ai perdu tout mon fluide. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas bien grave. Ici, du coup, là, on est bon. Et maintenant, là-dedans. Alors, par contre... Il n'y a plus de gel cosmique. Déjà, on a progressé. Par contre, pourquoi il y a toujours du... Parce que c'est ici. Est-ce que ici, il y en a qui sont connectés? Non. Ça doit être des traces dans le système, je pense. Oui, bah là ici je me suis fait mal du coup parce que là j'ai tout vidé. J'ai cliqué trop vite. Et toi, ouais, c'est l'eau qui foire. En l'eau. Ah c'est bien, ça leur demande des tuyaux. C'est vrai qu'au départ on avait une recherche qui demandait des trucs, mais j'ai plus l'impression qu'elle existe cette recherche. Ah bah je peux plus aller les voir parce que je les ai pas débloqués. Donc bon, alors attendez, qu'on se reprenne. La production d'eau cosmique est un petit problème, c'est normal, j'ai tout fait foireux, j'ai vidé un stock énorme. Et on a une machine qui tourne. De toute façon, on n'a pas suffisamment d'eau ici. J'ai re ça et ça. Me demandez pas pourquoi, c'est magique. On va regarder ici. Là, j'ai rien qui est connecté. Là non plus. Là non. Ah, j'ai fait le malin à vouloir coller mes trucs. J'aurais peut-être pas dû. Parce qu'en fait, il suffit que deux soient côte à côte l'une à l'autre, hein. Et là, c'est bon. Il n'y a aucune raison à ce que y ait deux. Je ne sais pas. Honnêtement. Bon, le plus important, c'est que ce soit reparti. Ouais, ça, c'est reparti. Là.
Ouais, ça repart pas vite, hein, ici. C'est pas le flux, le problème. Non, non, c'est vraiment la vitesse de prod qui est très lente. 8 et il m'en faut 56. Et bon, bah voilà, on a trouvé le souci. On a aussi un moyen de l'améliorer très rapidement. 14, c'est déjà mieux. Ok. Bon, après, c'est pas ça qu'on veut vraiment. Aujourd'hui, ce qu'on veut. Donc voilà, là, il va falloir voir. Je regarderai entre les deux épisodes, quitte à tout purger le système. Pour essayer de comprendre pourquoi dans mon tuyau là. Je comprends pas pourquoi dans ce tuyau. Ah bah alors là, déjà, c'est déjà mieux. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai dû. Donc là, normalement, ça, si je le purge, je devrais plus en avoir. Ok, donc ça déjà c'est cool. Ok, mais maintenant pourquoi j'ai de l'eau? Après, ça peut être deux usines qui soient mal connectées. Ah bah déjà toi ici. Alors, c'est ça qu'on va corriger. Non, ça passera pas. Ok, et là il faut du gel cosmique, donc le gel cosmique il est là. Oh bah dis donc. Un 9, un 9, un 3, un 3, et voilà. Cal! Nickel, nickel. Allez, merci. Donc là, c'est posé. Et hop, il va me manquer une connexion. Et ben voilà, ça tourne. Ça y est. Et on beacon. Au cas où, je vérifie. Voilà. Donc ça, sachant que ça remonte que jusqu'à 20K. Hein. On était à 10, on est à 15K. Donc c'est bon, ça devrait le faire. Ok. De toute façon, là on a en surplus. Là on a. Oula, là on a. Nickel. Je vérifie que toutes mes recettes soient bien. Oui, ça c'est cool. Ici, les cartes de données vierges. Nickel. D'ailleurs, au passage, excusez-moi, j'ai oublié de faire quelque chose. J'aimerais beaucoup. Voilà. Que vous travaillez. Parce qu'on va se mettre à faire notre prochain objectif. C'est la mise en place des recherches de type carte technologique d'optimisation. Donc, on a regardé carte technologique d'optimisation. Donc, c'est les prochaines recherches si vous regardez. Là, il ne les faut pas d'ailleurs. Hop, on va lancer ça. Voilà, mais à partir de ça, surtout les panneaux solaires avancés qui me donneront accès. Alors, on a déjà les panneaux solaires précédents. Enfin, on en a déjà mis en craft ceux-là. C'était l'époque où il fallait pas cette recherche. Parce que vous voyez, on a déjà le niveau suivant de débloquer avant qu'on ait celui-là. Ça, c'est le passage 0.5-0.6. Donc, il nous le faut, en fait, pour pouvoir construire ces panneaux solaires-là, il nous faut celui-là. Donc, on lance celui-là. Et après, vous voyez qu'il le faut à chaque fois. Pour toutes les recherches qu'on a. Il va nous falloir cette carte. Donc autant la faire. Pour la faire, il me faut deux choses. Carte technologique vierge. Donc ça, c'est facile à mettre en place. On les a déjà. Et les données de recherche sur l'optimisation. Comment on les fait? Module de vitesse 1, on a déjà automatisé. Protection thermique, ça c'est bon. Cristal d'immersite, on a vérifié. Plaque d'immersion, c'est ce que j'ai lancé. Et il nous faut après les données d'apprentissage automatisées et du lubrifiant. Lubrifiant, on est. Et ça se craft comment? Ça se craft avec des circuits électroniques, des cartes de données vierges et du fluide réfrigérant. Mais ça, je me demande si on ne l'a pas déjà automatisé. Là, c'est celle basique. Voilà, elle est là. Carte. Donc en fait, la seule chose qui nous manque, honnêtement, c'était les plaques d'immersion. Et on va mettre ça. Et là, par contre, on va se faire une un peu plus grosse production. C'est pour ça que j'ai mis 60. J'en veux 60. Alors, non. On va commencer soft. J'en veux 1 par minute.
Alors, une chose que j'aimerais aussi avoir, préférence, en nombre général, un chiffre après la virgule. Non, on va mettre deux chiffres après la virgule. Merci. Au niveau des diffuseurs, effet par usine, 1, je veux. C'est contrôle ça, parfait. Là, contrôle, contrôle. Et ça, on n'en a pas besoin. Bah, on va quand même le faire pour voir. Ok. Il m'en faut deux. Donc, une machine, une machine. Une machine de ça qui me donnera une machine de ça. C'est assez facile à faire. Let's go. On va se mettre entre les deux, je pense. On va se mettre là. De toute façon, là, on va scaler plus tard. Hop, il me faut. Donc, on va dire au milieu là et au milieu. La question que je me pose. Est-ce que cette carte là, elle va être utile pour autre chose? Non. Donc. Ok, et là ça me va pas du tout parce que du coup c'est pas centré. Là c'est. Voilà, attendez. Là, j'en ai 12 et là, j'en ai 11. Bah, c'est pas mieux centrable, hein. Alors, si c'est centrable différemment. Comme ça, j'ai 11 et 11 à droite et à gauche. Ici, je veux les données de recherche sur l'optimisation et là, je veux les cartes. Parfait. Alors, on y va, on va se marrer. Ah bah c'est bien, on peut mettre ça là comme ça et ça là. Alors ça c'est toujours chagrin. Ah, on va le mettre là, hein. Voilà, parfait. Parfait. Et là je vire ça puisque là ce sera balancé. Comme ça. Et là, je ne veux que les cartes de recherche d'optimisation. Ah, les cartes technologiques vierges, on n'en a pas, dis donc. Va falloir aller en chercher. On les a amenées sur Terre, on les a sur Novice, et là, elles ne sont pas faites. Donc ici, oui. Alors les coffres, vous voyez qu'on peut tout avoir. Donc il nous faut que le lube. Le lube, on l'a mis sur le bus à liquide, je crois, si je dis pas de bêtises. Non? Ah, si, peut-être, bêtises, bêtises. Non. Il est là. On va prendre des 15. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Du coup, je surveille si deux ne se connectent pas ensemble. Là, je regarde le milieu du. Le milieu et. Non, c'est bon. Si c'est pas en rapport avec un autre, on n'aura pas de soucis. Ah, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Après, je pense que tant que ça nous met pas un message d'alerte, c'est bon. Okay, on va centrer aussi, du coup, on va se mettre là. Oh bah dis donc, j'aurais voulu, j'y serais pas arrivé. Hop. Et voilà. Parfait. C'est bon, là, vous travaillez un peu. Et ben donc là, on va pouvoir commencer à produire. Alors, c'est les protections thermiques qu'il faut. Oui, alors ça, par contre. Caplox 10, enfin x10. J'en ai 2000, j'en ai 25 000, j'en ai 29 000, j'en ai 4002 et j'en ai 412. On est bon. Ok, on a fini le MK2. Et ben donc, qu'est-ce qui foire? Ça, déjà, et là il va manquer en fait les cartes technologiques vierges. Putain, on les envoie pas. Oh la loose internationale, ça. Ouf, c'était joli ce qui vient de se passer. Mais c'est pas là-dessus. À part si je les crafte. Voyons voir qu'est-ce que ça demande. Carte tech. Oui, on va les crafter ici. Comme ça, c'est une fusée de moins, du carbu en moins. Merci.
juste ça. Là aussi. Ah, je suis toujours en caps lock. Ok. Et là, est-ce qu'on limite? J'ai un doute quand même. Hein. Regardez la vitesse à laquelle on produit. C'est pour ça que je veux faire ma base sur dans l'espace. Regardez la vitesse à laquelle cette machine elle produit. C'est fois. Alors attendez, parce que là je suis en. Je suis en bien trop. Usine. Elle est en vitesse de fabrication 10. Ça, c'est sur Terre, vitesse de fabrication sur Novice 1,25. Et est-ce qu'on a mieux? Je crois qu'on a mieux. On a celle-là à 5. Donc c'est quand même deux fois supérieur de produire dans l'espace. Le seul problème de l'espace, c'est les robots qui se crachent la gueule toutes les 2 secondes. 978. Non, attends. 976. Bon, après ça permet de réguler le nombre. Hein. Bon, en tout cas, voyons voir maintenant si. Ah oui, petit problème. Et ici on capte pas. Voilà. Donc nous avons 95 déjà. Donc on va pouvoir mettre ici. On va se mettre ça là. Une nouvelle science. Et ça, ma foi, c'est quand même super cool. Il y en a un qui vient de s'éclater là-bas. Bon, par contre, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup plus des sciences. Enfin, entre guillemets, parce que... Comment ça peut y avoir beaucoup de place hein, autour? Faudrait que je les décale et que je mette en haut et en bas après. Il y a des recherches vraiment. Oui, il y a des. Ah oui, mais, quand je... mais je vais être obligé parce que quand vous regardez les recherches là, ça demande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 recherches. Je peux en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ça devrait passer. Et donc nous allons pouvoir lancer notre. Attendez, ça tourne, hein. Ouais. Première recherche avec nos câbles. Avec nos cartes technologiques, je pense qu'on va les rechercher, parce qu'on l'avait déjà cherché une fois. Celle-là, on dira rien, on l'a alors qu'on ne devrait pas l'avoir. Hein. Il me faut quoi? Il va me falloir des câbles d'Omnium. Bon, bah voilà. Et voilà, regardez. C'est cool, ça. Nouvelle recherche mise en place. Wouh! Yes! Ah, c'est toujours cool, je trouve, quand ça marche, quand un plan se déroule sans accro, pour spoiler. Voilà. Génial. Ah, c'est cool. Je suis content. Ikota. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, c'est bon. What? Oh, j'ai complètement planté. C'est bon, excusez-moi. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok. Impossible d'insérer carte technologique sur les fusées. L'inventaire est plein. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
C'est là le souci, carte technologique. Alors c'est quoi les cartes technologiques? N'y a pas de carte technologique tout court. Ah! Mais pourquoi vous voulez me les filer? Mais j'en veux pas. J'ai pas compris pourquoi ils voulaient m'enfiler. Hop, je suis pas sur le bon. Ça là. Ok. Yes! On a la recherche. Bon, bah, bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, bah, ça, directement. Est-ce que ça marche aussi sur les core miners? Donc, directement, ça c'est un must-have. Il va me falloir celle-là après. Ensuite, on va aller faire ça, je pense. 40-45% les robots qui se déplacent plus vite. Nickel. Bon, alors, ça, on s'en fiche, honnêtement. Ça, on s'en fiche. Après, il va me falloir la rose. Bon, bah, après, je crois qu'il va falloir commencer à réfléchir à de nouvelles choses. Hein. À quoi on va bien pouvoir penser? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Une pioche avancée? Non. Alors. Ah, ça pourrait être cool. Sécurisation des cargos, de la cargaison, justement. Donc, c'est le. Eh, c'est du bleu. Bah, je pense qu'on va aller en astronomique en premier. Directement, on va lancer la recherche et c'est celle-là qu'on va aller chercher. Voilà. Moi, YouTube, je vous dis ben, à bientôt. Et je suis hyper content parce que là, je pense que on recommence à avancer. C'est vrai que pendant très longtemps, moi, pendant 2-3 streams, et je ne vous ai pas obligatoirement filmé, mais on a bien passé une dizaine d'heures en jeu. En IRL, pas en vitesse de jeu accélérée, à ne rien faire que de la résolution de problèmes, de la logistique, et là enfin ça avance. Donc entre deux épisodes, là je vais aller voir si Novice marche bien, et puis je vais regarder si. Comment dire? Et puis on va regarder comment ça se passe au niveau de la. Pour la prochaine séance. Voilà, allez, à bientôt YouTube, ciao ciao!